Mesdames et messieurs, bonjour. Votre rendez-vous quotidien sur Télébonbon. Aujourd'hui, à la une de ce journal, deux invités de taille. Pour la première fois, les chefs Bonbon Jaune et Bonbon Bleu ont accepté de se rencontrer. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, vous allez peut-être assister à la réconciliation des deux plus grands ennemis du siècle. Excusez-moi. Mesdames et messieurs, je suis bouleversée. Le direct, c'est le direct, me direz-vous. Eh bien, j'apprends à l'instant même que nos deux invités se sont décommandés. J'ignore encore le motif. Mais au nom de toute l'équipe de Télébonbon, je peux vous assurer que ce n'est que partie remise. Après une page de publicité, la suite de l'actualité. C'est raté. C'était couru d'avance. T'es malheureuse, Tic-Tac. Quelque chose te chagrine? On a quoi contre les bonbons jaunes? Ça a commencé à l'école. Il y a longtemps. Vous deux, vous étiez trop petites. Cette année-là, dans la cour de l'école, il n'y avait plus de billes que de cailloux. Approchez, approchez! Mais c'est une seule bille pour une énorme boîte de bonbons. Approchez! Il fallait viser à 10 pas et toucher la boîte. On la gardait ? Tu parles. Tout le monde perdait ses billes tellement c'était loin. Mais un jour, il y a eu Kinder qui arrivait dans l'école. Kinder ? Non, pas toi, je te connais pas. Pourquoi? J'ai qu'une bille et je veux la perdre. T'as vu ce que j'ai? Moi, ça te fait rêver, hein? Laisse-moi jouer. Si je perds, t'auras celle-là en plus. Suis-moi. T'as pas de copain, toi? Moi, c'est tous mes amis. Je suis le boss ici. Pour toi, c'est 12 pas. Je l'ai gagné. Ne te fâche pas, je voulais avoir le plaisir de te l'offrir moi-même. Un seul me suffit, je n'ai pas d'amis. Mais si certains veulent apprendre à tirer, conseil, achète des bonbons jaunes. Je suis la première à être allée voir Kinder. Et ben moi, je suis le dernier. En 5 minutes, il avait appris à tirer à la moitié d'école. Bon, 5 minutes quand même. Même moi, j'ai pu gagner des bonbons jaunes. Mais j'en ai tellement mangé que maintenant, tu as mal aux dents, comme tu dis. Vous avez fini par les bonbons, ça me donne mal au ventre. Déjà que j'ai des soucis. Petite nature. Qu'est-ce que tu as, petit caramel? C'est grave. T'as fait une bêtise? C'est pire. T'as bu tout dans ta tirelire? C'est pire. Vas-y, dis-le. J'ai une nouvelle amoureuse. Mais c'est super, petit caramel. C'est une bonbon bleu. Mais c'est quoi toute cette histoire? Le règlement est formel. Ne jamais adresser la parole à un jaune sous peine de gage sévère. Mais ils se sont pas parlé. Elle a raison, ils ont fait que les yeux doux. Qui voit un bœuf, voit un œuf. C'est le contraire. Quoi, c'est le contraire? Qui voit un œuf, voit un bœuf. Puis d'abord, je vois pas le rapport. Toi, c'est pas parce que tu travailles à la télé qu'il faut faire la fière. Je fais pas la fière. C'est pas le moment de se disputer. Faut se tenir les coudes.
Et d'abord, où elle est? Elle a eu peur des représailles. Bon, en route, on va aller lui rendre une petite visite. Voici mes instructions. Interdiction d'aller à l'école pendant 8 jours. Oh la chance! Tu parles d'une punition. C'est pourtant la meilleure des solutions. Tu l'oublieras. Loin des yeux, loin du cœur. Allô? Bonjour petit caramel, c'est Kinder. Je l'aime, il faut que tu comprennes. Il y a beaucoup plus important. Il faut que tu viennes tout de suite. Pourquoi? T'occupe, viens vite. D'accord, j'arrive à toute la vitesse. C'est trop long, petit caramel. Le jour auteur, elle est bleue aux trousses. Il faudra aller plus vite, sinon... Kinder a reçu une lettre anonyme. Ah bon? C'est quoi une lettre anonyme? Anonyme. C'est quand c'est pas qu'il a écrit. Ah. Tiens, picorette. Les bonbons bleus cherchent un trésor. Un trésor? Un trésor? Oh, un trésor? Bon, bah ça va, revenez sur Terre, ça arrive souvent. Surtout aux autres. Qui peut bien nous prévenir? C'est pas important, ce qui compte, c'est le trésor. Sûr qu'on va pas le laisser filer entre nos doigts. Allô? Crocodile? Oui. C'est moi, Pimousse. Tu es folle, je dormais. Tu veux pas venir? J'ai un peu peur de dormir toute seule. Non, mais tu me vois là en pleine nuit en train de courir te rejoindre. Je te dis que j'ai peur, ça t'arrive jamais? Oh, te fâche pas. Tu veux qu'on se lise une histoire? Oui, mais pas celle du petit prince. L'autre jour, ça m'a donné des cauchemars. Je vis de roses partout dans ma chambre. Ok, je choisis un livre. J'arrive. Tu te moques de moi, tu viens de m'appeler. Je me rappelle pas. Enfin, c'est gentil d'être venu. Viens, installe-toi. Tu crois, toi, à cette histoire de trésor? S'ils le disent. J'aimerais bien que ce soit des bonbons. Plein de bonbons. C'est dommage, Marty veut pas que j'en parle aux infos. Pourquoi? Il craint les jaunes, il se mettrait sur le coup, tu comprends? Pourtant, ça ferait un super scoop. Les ordres sont les ordres, ma belle. Bon, ben, je dors, je suis fatiguée. Et tu prends pas toute la place. Et l'histoire? On va attendre ici. C'est qui le plus courageux? Moi! Va te poster à l'entrée du chemin. Dès que tu vois les bleus, tu siffles 3 fois et tu rappliques. Fautez-la, Sandy, venez, on a affaire. Et nous alors? On est toujours à l'écart. Dès que tu entends petit caramel, à ton tour, tu siffles 3 fois. Je donnerai toute ma tirelire pour ne plus être ici. Ce sont les fantômes. C'est pas méchant, un fantôme. C'est comme une guêpe, faut pas l'embêter.
qui nous arrive est une chose merveilleuse. Ça marche? Oui! Chut! Ça devait être un chat. Grâce à Kit Kat, qui a fait preuve de beaucoup de mérite, nous serons bientôt en possession du merveilleux trésor. Vous savez où il est? Pas encore, mais on a besoin de votre aide. Kit Kat raconte toute l'histoire. Tout a commencé à cause de ma chaîne de hulot, qui n'arrêtait pas de dérailler. Ce jour-là, j'avais décidé de la serrer à fond la gamelle. C'est Smarty qui m'avait dit qu'une chaîne bien serrée faisait aller plus vite, que c'était mieux pour la reprise. Alors je suis partie l'essayer. Dans la forêt, c'est le meilleur endroit pour faire des essais. Si ça résiste là, ça résistera partout. Hein. Je peux vous dire que je n'ai pas ménagé ma bécane. Seulement, j'ai pris trop de risques. C'est ça le trésor? Une seule perle? Et le parchemin? Oh, mais c'est là toujours à vouloir tout savoir avant les autres. Qu'est-ce que tu crois? C'est ça une journaliste. Pitié pour moi? Ça veut dire quoi? Je ne sais pas, mais je suis sûre que la clé du trésor est là. Regardez-le bien. 4 H. Ah oui, tiens, j'avais pas remarqué. C'est peut-être 4 heures. Pourquoi pas? Il faut aller là-bas à 4 heures du matin. On aura sûrement un indice. On peut tenter le coup, on n'a rien à y perdre. Pitié pour moi. Je me rappelle. C'était dans le grenier de ma grand-mère. Ça fait longtemps. J'ai lu cette phrase dans un vieux livre. Je m'en rappelle parce que justement, ça parlait de trésors. Il faut retrouver ce bouquin. Ça ne va pas être facile. Ils habitent loin, ses grands-parents. Alors, écris-leur. 4 heures. Créta, à 4 heures, c'est une direction. Pourquoi j'y ai pas avancé plus tôt? Quatre heures, ça fait 60 degrés. Si on part du nord, qu'on prend un angle de 60 degrés et qu'on trace une ligne, je vous donne en mille que le trésor est sur cette ligne. Mais pourquoi le nord? Parce que la boussole t'indique le nord. Mais où sur la ligne? C'est ça le problème, on n'a qu'une donnée. On m'a qu'à creuser sur toute la longueur. Ouais, jusqu'à temps qu'on trouve le trésor. Si on procède comme ça, c'est sûr que les jaunes le trouveront avant nous. Pourquoi les jaunes? Jetez un œil là-dessus, je l'ai reçu hier. Je commence à être inquiet. Fruitella attend une lettre. Si elle la reçoit, les bonbons jaunes seront plus riches que vous. Ça, c'est drôle alors. Quoi? Il y a des fautes d'orthographe. J'ai jamais vu ça dans une lettre anonyme. T'en reçois tous les jours, peut-être? Parfaitement. On sait déjà que notre ami n'est pas bon en dictée. Moi, je crois qu'il faudrait surveiller la boîte aux lettres de Fruitella. Tu as raison, et comme c'est toi qui as eu l'idée... C'est toi qui vas y aller. Tu iras guetter tous les jours l'arrivée du facteur.
Mince, trop tard. J'ai pas le choix, faut que j'y aille quand même. Bien joué, Phoenix. Ma chérie, voilà ce que tu m'as demandé. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Légende du XVIIIe siècle tirée d'une très vieille édition intitulée « Dictionnaire des légendes de France ». Histoire extraordinaire. Jadis, un déserteur de l'armée royale réussit à acheminer jusqu'à notre province de France un trésor. Comme il sentait qu'il pouvait lui arriver malheur, il décida de cacher le trésor. Il le dissimula si bien que l'on dit qu'il en oublia lui-même le lieu. Mais un horrible remords le rongea obstinément. Devenu vieux, vivant en ermite dans l'une de nos forêts, il sentit sa fin approcher. Comme il ne voulait pas mourir sans s'être fait pardonner, il décida alors d'enfouir au pied d'un arbre un minuscule extrait de son trésor avec ses dernières volontés. Pitié pour moi. Ça s'arrête comme ça ? Alors on sait rien de plus. Sauf que la perle n'est bien qu'une toute petite partie du trésor. Et qu'on peut pas trouver l'autre partie. On est foutus. Je croyais que tout était perdu, qu'ils allaient tout savoir avant moi. Mais ce matin, je veux la lire. J'étais trop fatiguée hier soir. J'avais trop mal aux yeux et je n'ai pas pu finir. Mais voilà la suite. Peu de temps après, il mourut en portant dans son abîme le secret de son trésor. La légende dit aussi que ses dernières paroles avant de mourir furent 1000 perles à 1000 pas. J'en étais sûre! Cette petite perle n'est qu'une toute petite partie du trésor. Le reste est à 1000 pas. Continue. Cette légende a couru longtemps, puisque nombreux sont ceux qui ont cherché. Un siècle s'est écoulé et personne n'a jamais rien découvert. Ouah! À nous le trésor! Mais on n'a pas la direction. Quelle direction? On sait qu'il est à 1000 pas. C'est tout. Faudrait la direction. On est foutus. Gros pour te voir en secret. Autant que moi, c'est que... C'était trop dur d'être séparés. C'est long une semaine, surtout quand on m'aime. Petit Caramel, promets-moi que tu me répondras. Je te le jure. C'était toi la lettre anonyme. Comment tu le sais? Facile à deviner, quand on s'aime, on a les mêmes idées. C'était toi la première lettre? Je voulais vous aider. Moi aussi. Nous, on a presque trouvé le trésor. Nous, il nous manque que la distance quand on l'aura. Nous, la distance, on ne la connaît pas, mais on sait le nombre de pas. Tu sais le nombre de pas à partir de l'arbre? Oui. Alors, on va le trouver, le trésor. On sait tout petit, Caramel. D'ailleurs, j'ai une idée. Bizarre ce message, et petit Caramel qui n'est pas là, tenez-vous sur vos gardes. On est en plein sur la ligne, dommage que Tic Tac ne voit pas ça.
et moi, on a trouvé le trésor. Sorcière, traître. Et on est d'accord pour le partager. Moitié bonbon bleu, moitié bonbon jaune. Pas question. Tout ou rien. Alors ce sera rien. Réfléchis, Kinder. On va pas laisser tout à petit caramel. C'est vrai, Kinder. Réfléchis. Si c'est un gros trésor de bijoux, la moitié, c'est pas si mal. C'est déjà mieux qu'une pauvre petite part de rien du tout. Ouais. 50-50. Ok. Eh, hey, pas si vite. Avec Tic, on veut bien partager, mais à une seule condition. Nous, on s'entend bien. Alors, on veut que les bleus et les jaunes deviennent des amis pour toujours. Et s'ils étaient dans le vrai, ça coûte rien d'essayer. Ça coûte rien de réussir. Je l'ai, mon scoop. Comment on va s'appeler? On s'appellera Bonbon, tout simplement.